Je voudrais, par cette fable de La Fontaine, montrer ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Le monde, dit-on, est assez grand pour combler les besoins de l'homme. Et c'est vrai, quelques nourritures, un peu de pain, un toit sur sa tête, et le bonheur est là. Mais le monde n'est pas assez grand pour contenir la convoitise de l'homme. Et c'est vrai, jamais celui qui se laisse aller à sa convoitise ne sera satisfait, quand bien même il aurait rempli son escarcelle de tout l'or contenu dans le secret de la terre. Et je voudrais en témoigner par cette histoire bien triste. C'était un homme qui possédait une poule qui chaque jour pondait un œuf d'or. Et cet homme crut que dans son corps, elle avait un trésor. Alors il la tua, il l'ouvrit, et il la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches? Et voici une autre histoire absolument analogue. C'était une veuve qui avait une poule qui lui pondait un œuf par jour. Et elle se dit que si elle lui donnait plus de grains, sa poule pondrait peut-être deux fois plus, deux œufs par jour. Aussi accrut-elle sa ration. Mais la poule devint si grasse qu'elle ne put même plus pondre son œuf quotidien. Eh bien, cette fable fait voir qu'à convoiter plus que l'on a, l'on perd même souvent ce que l'on possède.